previous episode of Life is Strange. Get that gun away from me, psycho! No! He called film little pieces of time. What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Ok, un petit récap. Alors, c'était pas de refus parce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas joué à Life is Strange, du coup. Ah, je dors! D'accord, j'étais en train de dormir, ok! Allez, lève-toi! C'est le matin! On passe à l'épisode 2. Allez, debout, Max! Ça se trouve, c'est pas du tout la chambre de Max. Oh, on est très peu habillés par ici, mademoiselle. Oh, les photos sur le mur, attends, je viens de capter. Ouais, si, c'est bien Max. Oh, il est trop cute, son pyjama! Allez, debout, réveille-toi! Oula, elle est encore dans le jus, c'est bon. Ah, mais oui, c'est notre chambre à l'internat, ça! C'est salissant d'être un super-héros, j'ai bien besoin d'une douche. Bah, tu te qualifies de super-héroïne? Non, mais ça va? D'accord. Oula, ouais, ça discute beaucoup, là. Je te hais, t'as 40 minutes, dépêche-toi. Ok, d'accord, je vais aller prendre ma douche, vite. Ah, mais Chloé, je vais la date, hein, je te jure. Voilà, on arrête la musique déjà. Emploi du temps. C'est comme un emploi du temps. Oh, l'emploi du temps de merde. Au moins, t'as pas anglais. Tu vois, ça c'est cool parce que tu parles déjà anglais. Quoi, tu finis à 4h de l'après-midi? Mais t'as de la chance, toi. Elle commence à 10h. Je veux plus jamais t'entendre te plaindre de ton lycée ou de tes cours, d'accord? Parce que moi, je vais te le dire. Moi, tous les matins, je commence à 8h, je finis à 18h. Et comme je suis interne, je finis même à 21h. Ouais, je me plains, ouais. Prendre. Voilà, on prend les affaires douettes. Ok Max, la douche, nickel. Je ne plaisante pas, Courtney. J'ai absolument besoin de tes devoirs avant ce soir. Oui, bien sûr, Victoria. Je te donnerai mes notes et mes devoirs cet après-midi. Mais attends, mais t'as vu la tonne de devoirs à laquelle tu pars? Par contre, il y a un truc qui me gêne, les gars, c'est d'être en pyjama au milieu d'autres gens. Je peux pas, ça, à l'internat, je vous jure. Surtout qu'en plus, ils sont tous habillés. J'assiste à des actes de violence. Du coup, attends, il y a elle du coup qui va partir là. Faudrait que je fasse un truc. Ah non, faut que je l'avertisse. Avertir. Alyssa, can you stand over tu veux te décaler, Alyssa? Ok, Max, ça peut te faire plaisir. Wow. Mais. No, that was close. Wow, c'est pas possible, merci Max. Mais c'est déjà la deuxième fois que je lui sauve la vie. Elle va peut-être se douter de quelque chose au bout d'un moment, non? Découvre mon pouvoir, Alyssa. Shower. Ah, les douches, elles sont là. Oh, Kate. On va parler à Kate, je pense. Comment ça va, Kate? I'm here. Je suis toujours là, merci de m'avoir défendu hier, j'en avais besoin. Pas de problème, ce type a vraiment un souci. Ok, au moins elle, ça va être notre pote, tu vois. Bon, bah je pense que cette douche-là, elle est désignée pour nous. Allez, on utilise la douche. Et on tire le rideau. Oh, et le jeu prévient quand tu fais des trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un plan comme ça? C'est pour les films d'horreur, ça. What's up, Kate? Qu'est-ce qu'il y a, Kate? School. L'école. That's it. C'est tout? Cette vidéo de toi sur le dance floor, c'était des révisions. Oh. Victoria, c'était pas moi. Oh my god, right. Ouais, genre. Oh là. Sois pas timide. Je trouve ça génial que tu aies explosé. J'ai pas le temps de dire. Un jour, tu le regretteras. Oh, boohoo. Pauvre chou, désolé que tu sois une pétasse virale. Je suis sûre qu'elle a aimé ça. Looks like it. On dirait bien. I know Nathan hooked her up. Je sais que Nathan lui a arrangé le coup. Toi aussi, tu sais qu'il y en a de la bonne. Breach it, sister. Je suis grave d'accord avec toi. Burk, je suis encore couverte de peinture. Heureusement que mes fidèles serviteurs ont bien pris le temps de m'apporter une serviette. On s'est dépêché. Laisse tomber, Taylor. Maintenant, je sais que j'ai un accident. Je ne pourrai compter ni sur toi, ni sur Courtney. Va traîner avec Kate ou Max. T'as un truc à dire sur moi par hasard? Parce que il se trouve que je peux t'entendre, tu vois. Non, mais elle fait trop pitié avec son appareil photo. Ok, je vais te marrer, toi. Je déteste l'attitude, genre, je suis trop spéciale. Enfin bref, je vais laisser le lien de la vidéo de Kate ici. Que tout le monde puisse profiter de sa performance. T'es une vraie salope, j'adore. À tout moment, je sors nu et je vous explose votre tête dans le miroir. Ah, du coup, je me remets en pyjama, genre. Super. Mais du coup, faut partir du principe que je suis pas la seule à avoir entendu ce qui s'est dit, là. Hein.
Il y a deux autres personnes avec moi, je sais pas qui c'est. Bon, on va retirer ce message, hein, je pense. Allez hop, on va l'utiliser vite fait. C'est qui a oublié son gel douche? Mais du coup, je pense qu'il y a un délire avec le fait que Nathan vende de la drogue et que Kate en aurait pris et aurait dansé sur le dance floor, du coup. Et que ça fait une vidéo qui circule sur elle. Enfin, c'est horrible. On est vraiment face à des rumeurs de bahut, hein. Les ados, ils sont tous méchants entre eux. No fucking way. C'est pas vrai, putain. Qu'est-ce qui se passe? Oh, les connasses! Mais Victoria, j'ai été sympa avec toi et tu me fais ça? Mais la bitch, là, c'est toi! Je peux pas l'effacer, du coup, c'est pas sur un miroir, c'est même sur mon fucking mur! Tu as entaché mes précieuses photos! Je vais la marave. Il me faut une bombe de peinture et je repeins sa chambre. Pourquoi il y a une photo, là? Oh, c'est quand même pas une caricature de ma gueule. Man, this could almost be putain, ça pourrait être une œuvre d'art si ce n'est pas complètement malsain et tordu. La connasse! Des vêtements, s'habiller. Ouais. L'écran devient noir, tant mieux. Bon bah du coup c'est pas Victoria mais c'est Nathan. Nathan aussi, je vais le marave. Du coup on va pouvoir aller en cours. Numéro privé. C'est Nathan ça. Ferme ta gueule sinon je te défonce, je sais d'où tu sors. Ok, ça c'est Nathan. Maman. Bonjour ma chérie, j'espère que tu n'oublies pas d'arroser la plante qu'on t'a donnée, mais ne la noie pas non plus, maman. Par contre, on en parle que j'ai lâché des vues à ma daronne. Alors ma petite plante, je veux arroser ma plante. Ah non, c'est elle la plante. Drink up. I can bring you back. Bois, je peux te ressusciter, j'ai le pouvoir sur la vie et la mort. Tu ne devrais pas rigoler de ces choses-là, Max. Mais tout est en anglais, je ne comprends rien. Mais comment les anglais sont avantagés dans ce jeu? Moi, je comprends rien, je suis pas bilingue. Pourquoi le jeu n'est pas en français? Brooke, elle est ultra stylée. Chambre de Kate, nickel. Alors, comment c'est dans ta chambre? Ouh. Ah, elle est chrétienne, pas falloir que je fasse d'égard à sa religion. Chiffon. Elle veut pas se voir dans la glace? Oh non, mais à mon avis, elle est harcelée, hein. Enfin, c'est sûr qu'elle est harcelée, mais à mon avis, elle est dans une sorte de dépression. Elle joue du violon. Moi, je joue de la guitare. Ça te dit, on forme un groupe? Salut, Kate. Je t'ai amené ton livre. Bien sûr que je m'inquiète, Kate. Qu'est-ce qui se passe avec David? Ce débile est complètement parano. Il croit que je fais partie du Vortex Club. C'est quoi ce... ok. On est en train de remettre en place les pièces du puzzle. À mon avis, du coup, c'est Nathan qui lui a donné de l'herbe. Elle s'est retrouvée donc complètement bourrée et du coup dans un autre zion. Elle a fait du dance floor, on l'a pris en vidéo, une vidéo qui a tourné. Maintenant qu'elle a les idées claires, elle est plus trop sûre de ce qu'elle fait maintenant. Tu as fait la fête avec eux? Je suis allée à une fête du Vortex Club sur un coup de tête. C'est pas du tout mon genre normalement. Est-ce que tu sais à quel point c'est humiliant? Je sais que ça craint, Kate. Dis-moi ce qu'il y a dans la vidéo et je pourrais peut-être t'aider. En gros, je suis allée à une fête du Vortex Club et je l'ai fini par embrasser tout un tas. Ah, c'est pas ce que je pensais! Le pire, c'est que je m'en souviens même pas. Ça ne te ressemble pas? J'ai du mal à t'imaginer t'éclater avec Victoria. Quelqu'un t'a drogué. Je me souviens que je me suis sentie malade et ma tête s'est mise à tourner. Ouais, c'est Nathan! Et puis Nathan Prescott a dit qu'il allait m'emmener à l'hôpital. Ouais, voilà. Nathan Prescott, malade comment? Et tu y allais. Eh mais j'ai envie qu'elle réponde à toutes ces questions, mais je sais que je dois en choisir une. Malade comment? Soit je m'enfonce du coup sur Kate, soit je dévie et je vais sur Nathan. Est-ce que tu y allais? Definitely not. Absolument pas, je ne sais pas où il m'a emmené. Ah c'est bien ce que je me disais. What do you remember? De quoi tu te souviens? All I recall is je me rappelle juste qu'il a conduit pendant un moment. Et je me suis réveillée quelque part. J'ai cru que j'étais à l'hôpital, c'était tout blanc, il y avait plein de lumière. Right. Go on. Continue, je t'écoute. I'm listening. Quelqu'un me parlait d'une voix douce, je pensais que c'était un médecin. I thought it was a doctor. Et non, c'est ta mère! Et puis j'ai entendu Nathan, j'ai senti une piqûre sur mon cou et... I woke up outside my je me suis réveillée le lendemain devant la porte de ma chambre. J'avais marqué par un bleu, je ne me sentais sale. So, qui t'a filmé pendant la fête? I have no idea. J'en sais rien, Victoria sûrement. Elle était là, odieuse comme d'habitude. Bon sang Kate, je suis désolée, c'est très grave. This is serious shit. How do I get a viral video? Comment je peux retirer une vidéo d'internet? Plein de monde l'a vu, je le sais. On va démêler tout ça, Kate. J'en reviendrai plus tard, d'accord? C'est très loin de ce que je m'imaginais. Donc, c'est Nathan Prescott qui lui a sûrement donné de la drogue. Elle a embrassé plein de gens. Donc, elle s'est mise dans la merde en embrassant plein de gens. Victoria avait une vidéo, elle l'a postée. Du coup, maintenant, Kate, tout le monde croit qu'elle fait partie du Vortex Club, qui doit être un club pas très réputé. Pas très bien réputé, en tout cas. Par contre, il y a un truc que j'arrive pas à savoir, c'est est-ce que c'est Nathan qui lui a donné de la drogue pour qu'elle aille embrasser des gens? Soit, est-ce que ça, c'est quelqu'un d'autre et c'est Nathan qui l'a emmené pas à l'hôpital, du coup? C'est pas clair ce que je raconte, mais je me comprends. Je sais pas si c'est votre cas, mais je me comprends. C'est trop flou pour l'instant. On va attendre avant d'enquêter. Pourquoi je peux pas sortir de ta chambre? T'as verrouillé ta chambre? Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on reste toutes les deux? Est-ce que tu devrais en parler à la police? Va voir la police. Besoin. Oula! Ça, c'est une décision très importante. Besoin de preuve, va voir la police. Besoin de preuve. On va enquêter toute seule puisque la police, elle est pas avec nous. Hein. On t'a filmé en train d'allumer tous les mecs. Sympa de le dire comme ça. Cette vidéo n'aide pas. Ça va être pas ce que tu dis.
Mais je vais t'aider mieux que ça, tu vas voir. Donc je peux me balader dans les couloirs en me faisant traiter de grosses salopes. Thanks, Max. D'internet. Merci, Max. Putain, mais j'essaie de t'aider. T'as vu comment tu me réponds? J'ai plus envie de t'aider, moi, après. Allez, on va enquêter. Mais de toute façon, on va se mettre dans la merde. Hein. On se met dans la merde à chaque fois, donc autant continuer. Et moi, j'ai une ville à sauver. Hein. Il y a une tornade qui se prépare pour vendredi. Et là, je suis en train de régler les affaires de Kate. Chloé. Qu'est-ce qu'elle raconte? Manger. Je te retrouve sur la place. Arrête de taper, tu vas te faire mal au doigt. Petit déj. Pas d'émoji. Ok, d'accord. Allez, on y va.